J'ai été embauché en 1962 par M. Jean Kuntzmann, directeur de l'Institut de mathématiques appliquées de Grenoble. Alors, ce laboratoire, qui comprenait une centaine de personnes à l'époque, eh bien, s'intéressait à des applications par des techniques de calcul. En ce qui me concerne, j'étais plus particulièrement chargé de la mise au point, de la maintenance et de l'aide aux chercheurs sur une machine analogique. Tout d'abord, il fallait que cette machine fonctionne. Ce sont des opérateurs réalisés à l'aide de tubes électroniques. Il fallait chauffer ces tubes hein, par une cathode. Et donc, en fonction de la température, il y avait des dérives. Hein. Donc, il y avait tout plein de réglages à faire. Hein. Je vois des points de contact où souvent j'allais voir un peu ce qui s'y passe. Les chercheurs qui étaient dans ce laboratoire, ben, il s'agissait de chercheurs en mathématiques, hein, qui avaient donc des formations théoriques en mathématiques. Mais cette machine-là, c'est du domaine plutôt de l'électronique et de la physique. Moi, j'avais eu une formation d'électronicien. Donc, bon, il y avait des gens, soit un peu plus intrépides, qui osaient toucher ces machines, d'ailleurs, quelquefois en créant des pannes. Ils venaient avec un modèle mathématique, c'est-à-dire une équation ou des équations, et ils voulaient en connaître les solutions.